Elle arrive. Je trouve que le féminisme, c'est une des choses les plus compliquées dans la vie, notamment Bouh pour les femmes. Ah bah le féminisme. Mais mon texte est pratiquement. Mon texte est profondément caricatural. On n'entend pas au fond. Pas que ce soit pris pour ce que c'est. Ah oui, d'accord, je vais monter. Je n'ai pas de phallus, je n'ai pas de dard, je n'ai pas de pénis, je n'ai pas de pite, je n'ai pas de kékette et je n'ai pas de zizi, ni verge, ni vie, ni gland, ni une paire de couilles que je prends pour une carrière de diamant. Pour pouvoir dire que je fais l'amour à la poésie, je ne peux prétendre à la faire jouer, à la faire jouir, à me juger sur sa béance. Pour mieux m'y introduire, je ne la saute, ni ne la baise, et ne la nique pas. Je ne la fourre sous tous les fastes d'aucun membre droit. Je ne la prends par aucun port de son ravissant corps, pas de trésor au diable, au chaos béant. Le mystère du vide, tu flippes dans le slip, y'a que du néant. Et pourtant, mais au comble, la poésie sort de moi alors que... Quand elle, je n'éjacule pas. Alors si tous les hommes baissent les cambrures de dame poésie, alors qu'elle vienne un peu me niquer de sa gracieuse frénésie, je crois que c'est un coup à finir castratrice ou carrément lesbienne. Ou peut-être à carrément pas du tout finir ce poème. Non, je décide que je passerai mes journées à me toucher plus fort, pour qu'elle m'aime encore. Et plus je l'aime, et plus je jouis, et plus je m'aime, et plus j'ai du génie, alors je me Shakespeare jusqu'à mon dernier soupir. Merci.